Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Yeah, wouhou ! Nous sommes trois improvisateurs qui n'ont pas réussi à se passer d'impro pendant leur confinement. Il y a donc Manu Hennebert. Oui, c'est déjà l'épisode 4. Et Ise Brassel. Hello, toujours là. Et moi-même, Hichamel Amouri. Clap, 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 clap. Oui. Clap, clap. comme Manu l'a dit si bien, nous sommes déjà au quatrième épisode, c'est pas mal. Hein. Excellemment dit, excellemment oui. dit. Oui, exactement. Mais donc, on n'a rien préparé, c'est un podcast hebdomadaire donc qui sort tous les lundis à 16h. Nous allons vous jouer des scènes improvisées en nous basant sur des contraintes ou des défis que nous allons nous imposer les uns les autres. Ça va être chouette. Comment ça va, vous deux? Vous allez bien? Est-ce que vous vous hydratez correctement? Ben écoute, moi oui, je m'hydrate beaucoup même. Je suis du genre à boire 5 ou 6 litres de thé par jour. 5 ou 6 litres? Vraiment? Oui. Tu exagères ou bien c'est vraiment ça que tu bois, quoi? Ah non, c'est vraiment ça. Bah, je prends des théières et je peux en boire des dizaines de théières, quoi, par jour. Ouais. Putain. C'est pas un peu trop? C'est quoi la limite de la potomanie? Ouais, voir ce que l'OMS recommande, effectivement. Effectivement, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, j'avoue que quand je suis active, c'est un peu moins, mais là, ces derniers jours, je ne m'en lasse pas. Mais c'est ça où je mange du chocolat. Ouais, ouais, c'est... Bah, peut-être faire un peu des deux plutôt qu'énormément de l'un, mais... Parce que, apparemment, genre, il n'est pas conseillé de boire plus de 5 litres d'eau par jour. Je vais mourir, c'est ça. Et ça va, j'ai dit 5 ou 6. Genre, ils disent, il faut, idéalement pour être en bonne santé, il faut 1 litre et demi. Quoi? Mais c'est rien. Bah, enfin bon, ok. Passons. Passons Ise qui se dilue. Lui. Et toi Manu, combien de prières? Mais écoute, moi ça va, moi je suis plutôt à un café par jour. Plus éventuellement un thé vers 16h. J'ai ma petite bouteille avec et je tiens à préciser que j'ai des chaussettes avec des paresseux qui font des dabs. Voilà. Oh. Je ne vois pas le rapport. Et oui, peut-être qu'on vous mettra une petite vignette en accompagnement du podcast, on ne sait jamais. Et puis aussi, ah oui aussi, aujourd'hui j'enregistre pour la première fois avec mon tout nouveau Blue Yeti, le micro des winners. On s'est déjà tellement bien habitué au bon son de Manu. Maintenant, il reste plus qu'une voilà. seule personne oui. qui doit upgrader son UPL game, comme on dit. Voilà. Qui? Je ne sais pas. Qui? Ok. Ben, et toi, Hicham, comment ça va? Quoi? Moi, oui, ça va. Comment vas-tu? Ma fidèle gourde. Tout ce que j'avais à dire. Je sais pas. Bravo. Envoyez-nous des photos de vos gourdes. Eh ben. Je propose qu'on démarre avec la première improvisation d'aujourd'hui, qui nous est proposée par Ise. Eh oui, c'est moi. Alors aujourd'hui, je vous propose une conférence de presse, messieurs. Oh ! Waouh, trop bien ! Waouh ! La conférence de presse, un de vous deux, on va dire... Hicham. Hicham, okay. Tu es une personne connue. Qui fait quelque chose de saugrenu, mais tu ne sais pas qui tu es ni ce que tu fais. Mais Manu et moi, nous savons qui tu es. Et le but du jeu est que tu devines, pendant une conférence de presse, grâce à nos questions, qui est l'identité de ta personnalité célèbre et qu'est-ce que tu fais donc de saugrenu. Ok. Je vais donc te demander de t'isoler pendant que je vais dire à Manu, mais qui est Hicham et qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Allez, oust. Eh bien, je t'aime beaucoup. Oui, moi aussi. On t'envoie du love. Merci pour le montage. Alors, Manu, Hicham sera oui. la chanteuse et comédienne Miley Cyrus oh, mon Dieu. Qui lance une chaîne de YouTube ASMR. Oh. Donc, attends, Miley Cyrus, c'est celle qui a fait l'épisode Black Mirror, on est d'accord? Ouais, elle a fait Anna Montana, elle a oui, une voilà, carrière musicale, Wrecking Ball, et elle se lance une chaîne YouTube ASMR, donc de l'anglais Autonomous Sensory Meridian Response. Oula. Donc, oui, donc, c'est les chaînes YouTube. On des bruits très très bas pour soi-disant calmer les autres, c'est ça? C'est ça,
Allez, on peut réinvoquer l'autre. Je suis là. Ah. Attention, la conférence de presse va commencer. Je te propose de commencer l'impro, Hicham, par une petite phrase. Comme ça, nous, on peut se lancer. Bien, voilà. C'était tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ici, Musical Magazine, on se dit qu'au final, cette nouvelle carrière dans laquelle vous vous lancez, c'est une forme de musique, c'est du plaisir pour les oreilles, n'est-ce pas ? Oui, mais justement, je voulais vraiment que ce soit basé autour du plaisir, presque, de l'orgasme auditif. Oui, bonjour, ici Disney Magazine. Donc ça y est, vous laissez encore une fois tomber tout le monde, vous brisez tout et vous vous en allez, c'est ça ? Écoutez, moi je pense que... au bout d'un moment, la réaction des gens à ce que je fais, c'est leur choix en fait. Ils choisissent de réagir mal, ce n'est pas ma faute. Moi, je suis quelqu'un de libre et je veux créer quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Mais donc quoi, alors pas vous arrêter tout. Ça y est, il n'y aura plus de nouvelles chansons, plus rien. Bah écoutez, ça dépend, comme l'a dit votre confrère, il faut réinterpréter leur conception de la musique en fait, tout simplement. Oui, Rebel Magazine ici, on veut dire que nous on vous supporte beaucoup dans ce nouveau projet et on vous espère beaucoup d'abonnés. Est-ce que c'est une forme d'autre acte de rébellion dans votre carrière ? Vous venez un peu comme une boule de démolition là. Bah, écoutez, moi je fais un peu table rase du passé, j'ai envie de me dire, je fais ce que je veux, si ça implique de faire table rase du passé, alors je le fais. Bonjour, ici Slepwell Magazine. Qu'est-ce que vous allez prendre comme matière première ? C'est quoi votre méthode, votre outil ? Alors, mon outil, ça va être des tout petits micros que je vais a priori me mettre soit dans la bouche, soit dans les trous de nez pour qu'on entende ma voix du plus près possible. J'ai Politico Magazine vous demande si vous n'avez pas peur d'avoir l'approbation ou pas de votre président qui, pour l'instant, met pas mal de limites autour du monde, je vais dire. Est-ce que vous n'avez pas peur de sa réaction ou « you can stop, you won't stop » ? Eh bien, j'ai envie de dire « Donald, mêle-toi de tes affaires, moi je suis un esprit libre, comme vous le dites. » Et je ne suis pas la seule, hein. je ne fais que représenter des gens, hein, parce que, et tout le monde, tous les gens qui me soutiennent sont du même avec moi, et donc « we can stop, we won't stop ». Hein, voilà. Fin de la pro. Je crois que t'as deviné. Peut-être, ouais. Est-ce que j'étais Miley Cyrus qui se lance dans la ASMR ou un truc comme ça ? Ouais. Génial. Il est trop fort, mais on était tellement subtils d'un côté. Mais je me suis dit, ouais, à partir de la boule de démolition, j'ai fait, ah, ok, c'est ça. Et t'avais déjà compris au moment des micros dans la bouche et dans le... Ouais, Sleepwell. Oh, c'était parfait. Ouais, Sleepwell c'était quoi l'autre truc je sais pas, le truc avec le son, enfin il y avait un truc... Qu'est-ce que tu vas utiliser comme matière première, comme... Ouais, mais comme ça aurait pu être beaucoup de choses, c'était encore assez vague. Oui, c'est vrai. Il y avait déjà une notion d'un truc, c'était toujours du son. Ah, je suis trop contente que t'aies deviné. Alors, vous rigolez, mais moi, j'aime bien Miley Cyrus. En tout cas, ses premiers albums, ils sont vachement bien. Quoi. Voilà, je dis ça. Les premiers albums, tu veux dire Anna Montana ? Mais encore, moi, ça va, mais mon frère, lui, il est ultra fan de cette meuf. Quoi. Ah. C'est marrant, mais... L'ASMR, ça me surprend pas que ça vienne, quoi. Moi, j'adore l'ASMR. S'il y a des auditeurs, certains de nos auditeurs qui savent pas ce que c'est l'ASMR, l'ASMR, c'est toute une, on va dire, une mode de vidéos et de créateurs sur Internet qui font en fait des vidéos avec des sons très proches. Il y a beaucoup de chuchotements, des bruits très intimes, il y a une sorte d'ambiance intime qui... pousse, je pense, à l'endormissement, mais je ne suis pas sûr que ce soit uniquement pour ça. C'est surtout pour avoir des sensations de frisson. C'est provoquer le frisson auditivement parlant. Attends, il y en a qui passent en ce moment d'ailleurs. C'est plutôt. Moi, je trouve ça flippant en fait, en vrai.
Ok, merci Manu. Écoutez, on va passer à l'impro suivante. Et l'impro suivante, il me semble que c'est Manu qui la propose. Absolument. Présente-la façon ASMR. Non, je ne vais pas faire ça, par respect pour moi-même et pour les auditeurs. Alors, la prochaine improvisation, ce sera une scène de film revisité. J'ai isolé des répliques d'un film assez connu, hein, faut le dire. Et ce que je propose, c'est que l'un ou l'une d'entre vous, eh bien, disons Ise, tu vas jouer l'autre personnage dans la scène qui suit. Donc à chaque fois, moi, je jouerai un enregistrement d'une réplique et puis je te laisserai improviser la réplique du personnage en face. Et puis au bout d'un moment, je lancerai la réplique d'après, etc., etc. En tout, j'ai 6 ou 7 répliques de préparer. Et une fois que j'arrive à la fin des répliques, eh bien, l'impro se termine. Ouyou, en plus, ça teste ma culture, quoi. Ouais. Bon, bah, moi, je vais me chercher un café. Hein. Oui, un peu un moment off pour toi, effectivement, Hicham. Est-ce que t'es prête, Iso? Absolument. Parfait. Eh bien, du coup, pendant que Hicham va se faire un petit café... C'est pas vrai, hein, je suis toujours là. Hein. Pardon. Et attention, c'est parti. Dites-moi, elle fait plutôt un joli bruit pour un taxi. Ouais, je sais. Je l'ai nettoyé aujourd'hui, juste pour toi. Enfin, chantez, chantez, vous pouvez tout de même pas chanter trop fort, hein. C'est limité à 50 partout, là. Mais si, voyons, ça fait partie de ma théorie de la drague, vois-tu. Pour draguer, il faut chanter, c'est la base. Non, je crois que c'est pour tout ce qui roule. Hein. Tu veux construire une pelle, hein, grand fou? Tu vas vite en besogne. Ah ouais, ça j'ai vu, ouais. Vous avez pas peur des radars? Vois-tu, c'est toi que j'ai dans mon radar. Depuis ce jour où je t'ai vu commander ton croissant à la boulangerie, tu sais ce qu'il y a de beau? Tu sais ce qu'il y a de beau, Corentin? C'est que toi et moi, on commande les mêmes croissants tous les matins à 8h43. Je ne crois pas que ce soit un hasard, c'est le destin qui nous a reliés, Corentin. Et chauffeur de taxi, alors? Non, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui rêverait d'être chauffeur de taxi, vous? Eh bien, si tu veux conduire le mien, fais-toi plaisir et nous irons commander des croissants ensemble. Écoute, je ne veux pas m'emballer, mais je vois vraiment un grand avenir avec toi. Nous aurons 3 Golden Retrievers et une villa à forêt. Vous n'avez pas des sacs? Je ne me sens pas bien, là. Je sais, c'est ton cœur qui bat. Oh mon Dieu, nous sommes dans une osmose parfaite, Corentin. Ton cœur qui bat, tiens, prends un sac ici pour soulager tes émotions. Nous sommes tellement beaux tous les deux. Fin de l'impro. Je me demande quel film c'était. Le titre n'était pas du tout dans plusieurs des répliques. Est-ce que toi t'avais trouvé, Iso, de quel film ça venait? Je dois avouer que non, mais c'est parce que c'est la version française, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai... Non, c'est un film français, c'est un film français. Ah bah alors c'est pas du tout, pas du tout. Eh bien, c'est Taxi. Comme ça a été mentionné effectivement plusieurs fois dans le film, c'est Taxi effectivement. Taxi. Eh bah je l'ai jamais vu. Ah bah tant mieux au final. Ah. Taxi. Ah bah, Taxi. 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 Ouais. C'est la scène où les deux héros se rencontrent et en fait il y en a un qui est policier et l'autre qui est un chauffeur de taxi mais qui en vrai est chauffeur de course, enfin pilote de course et qui a une espèce de taxi overtuné et qui sans le savoir a pris un flic en stop et l'emmène dans la ville à toute allure alors que le flic évidemment les flics, quoi. Ouais, c'est une Peugeot, hein, son taxi, donc je sais pas d'où il a tuné, mais enfin... Bon, ça... il a eu beaucoup de travail, ok. Je crois que j'ai amplement respecté l'histoire. Mais écoute, tu iras voir. Oh, Corentin. Ben en plus, c'est prêt... Attends, c'est comment qu'il s'appelle le flic dans le film? C'est pas Corentin, mais c'est plus. Pas... C'est Émilien, je crois, qui s'appelle. Donc, t'étais pas si loin. Termine par un. Ça termine par un. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu t'en es bien tiré, c'était très cool. Merci. Sachez que je ne sais pas conduire, donc je n'ai jamais dragué dans une voiture. Ben, on n'aurait pas dit, on va dire. Exactement, c'est parce que
Je fais super bien semble. C'est mon métier. Ah là là, quelle comédienne. C'est merveilleux. Ok. Eh ben, c'est une réinterprétation intéressante de l'histoire du cinéma français. On peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Et on va passer à la troisième et dernière improvisation qui est proposée par moi-même. Et donc, je vous propose pour ma part une impro bruitée. Ok. Yes. Et donc, Manu et Iseu vont jouer une scène, tout simplement. Et pour ma part, moi, je vais faire tous les bruitages pour donner vie à l'endroit. Et tout simplement, je vais vous donner un lieu dans lequel va commencer cette improvisation. Mm-hmm. Il s'agira de la cuisine d'un dîner, donc par exemple, la cuisine d'une brasserie, si on veut un équivalent. Ok. Voilà. Et c'est parti quand vous voulez. Chef, il n'y a plus de poulet. Une minute, je suis sur les oignons. Vous pouvez me passer un mouchoir, s'il vous plaît. Oui, attendez. Voilà. Merci. Vous disiez ? Ben, il n'y a plus de poulet. Dans le frigo, il n'y en a plus un seul. Attendez, laissez-moi vérifier. Il n'y a plus de poulet, effectivement. Mais c'est ce que je vous dis depuis 2 minutes, oui. Ah, attendez, 2 secondes. Écoutez, faites avec autre chose que du poulet. Trouvez une alternative. Ok, attendez, je vais voir ce qu'on a dans l'armoire. Mais il y a quelque chose qui brûle, non, chef? Oh mon Dieu, les oignons! Les oignons. Mais, allez chercher de quoi éteindre ça, mon sang. Oui, attendez. Voilà. Lucien, dépêchez-vous. Voilà. Oh mon Dieu, Lucien, ma toque crépite. Attendez. Il n'y a plus rien. Attendez, je réessaye. Non, il y a vraiment... Oh non, je vous avais dit qu'il fallait faire gaffe et le remettre aux normes. Attendez, je vais remplir cette bassine d'eau. Voilà, et... J'ai besoin d'un essuie maintenant. Vous voulez mon tablier ? Je veux votre tablier et votre C4. Vous êtes viré, Lucien ! Ok. On ne donnera pas l'adresse de cette brasserie. Je crois que plus personne ne va y aller. Elle a fermé. Ah voilà, ça explique. Elle a participé à Top Chef et maintenant elle a fermé. C'est devenu un Starbucks, voilà. C'est devenu un distributeur automatique de fromage. Okay. Fromage en tube. Je suis quasiment convaincu d'avoir vu ça quelque part. Quoi. C'est fort probable. Il y a quelqu'un qui m'a dit, imagine un truc, et ben ça existe forcément quelque part dans le monde. Ouais, c'est comme la règle qui veut que si tu penses à quelque chose, Internet l'a déjà produit. Ça doit sans doute être. Oui, c'est les lois de l'Internet. Là. Il y a aussi ce truc où il y a une loi qui fait que, quel que soit le truc auquel tu penses, il y a d'office quelqu'un qui en a fait une version pornographique. Il y a des lois de l'internet et je sais plus c'est la rule. Ah, je sais. Combien. Eh bien, chers auditeurs, si vous avez une version pornographique d'un distributeur automatique de fromage, ne nous l'envoyez pas. Merci beaucoup. Oh, je connais cette loi, c'est cette fameuse règle, c'est pas rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme en porno. Non, ça c'est de la chimie. J'ai oublié le nom du type qui a fait ça, même si je l'ai connu à une époque, mais j'ai oublié le nom du type, mais ça c'est de la chimie à la base, c'est genre les bases de la chimie, je crois, au 18e siècle. Ise, elle a dit tout se transforme en porno, donc il y a un twist. Oh. Ah, t'avais pas entendu ça. Je connais pas Taxi, mais un... Ise n'a pas de la culture, elle s'invente sa culture, tu vois. Elle crée de la culture. Quelque part, c'est ce que nous faisons aussi, en fait. Exactement. C'est comme la confiture.
Ok, bah c'était nos impros. Et avant de finir notre émission, on va faire notre segment de fin qui est les coups de cœur. Waouh. Donc ça veut dire qu'on parle de trucs qui sont importants pour nous et qu'on a envie de partager. Merveilleux. Vas-y Manu, toi d'abord. Pour peu que ça ne soit pas encore de la publicité qui dure 2 minutes. Est-ce que tu es sponsorisé par des marques de jeux de rôle, Manu? Pas du tout, c'est ma passion personnelle. Et aujourd'hui, je ne vous parle pas d'un jeu de rôle, mais d'un jeu vidéo. Titi-tou. Oh là. Et oui, parce que j'ai acquis complètement par hasard, en fait, c'était un bundle de jeux, donc un pack de jeux pour une offre caritative. Et dedans, il y avait un jeu qui s'appelait This is the Police. Et en fait j'ai été intrigué par le pitch qui est en gros que vous jouez le chef de la police dans une ville plutôt corrompue et vous devez essayer de faire tourner la boutique. Et j'ai commencé il y a quelques jours. C'est vraiment trop cool parce que déjà il y a une super chouette ambiance, il y a plein de phases qui sont très narratives avec une espèce de graphisme assez particulier, assez bien foutu. Et puis par ailleurs il y a un truc un peu de gestion, tu dois gérer ton équipe, voir un peu comment tu fais tes paires de flics. Alors j'ai déjà par exemple eu un flic qui en fait a décidé de démissionner pour être engagé par un patron de boîte de nuit parce que j'avais demandé flic d'aller faire le vigile à l'entrée de la boîte et le gérant de la boîte lui a dit mais tu sais moi je peux te payer beaucoup plus cher pour ce que tu fais et du coup il s'est barré. Donc, je suis un peu dans la merde, enfin voilà, c'est des trucs comme ça mais en vrai je trouve ça très cool et bon je suis qu'au tout début mais j'ai hâte de voir où ça va. Voilà, donc ça s'appelle This is the Police. Ah c'est intriguant, c'est rigolo. Allez. Ok, eh ben merci Manu pour ce truc, ce jeu intriguant. Je suis... Avec plaisir. Alors tagline c'est le jeu de gestion teinté de corruption. C'est assez cool. Ok. Ok. Ise, qu'as-tu à partager ? Eh bien, mon coup de cœur, aujourd'hui, c'est pour ma nouvelle colocataire. Parce que oui, j'ai une nouvelle colocataire. Oh. C'est une souris. Ah ! Tu avais pris un chat et que tu avais craqué. J'aurais voulu, mais non. Albert ne s'est pas incarné en quelque chose de bien vivant. Non, c'est une souris. Je l'ai appelée Murphy parce qu'elle décide de sortir. Je lui cause, elle est sympa. Mais le problème, c'est qu'elle bouffe mes trucs et j'ai envie qu'elle s'en aille. Mais du coup, c'est une forme de coup de gueule dans le sens où j'ai besoin de m'en débarrasser, mais à la fois, j'ai pas envie qu'elle souffre. Donc du coup, j'essaie de faire des pièges pour qu'elle s'en aille sans mourir. Et c'est pas facile. Alors en plus, j'ai appelé les gens de mon bâtiment en disant « Voilà, j'ai une souris chez moi. » Ils ont dit « Oh, mais pourtant, le bâtiment a été traité. » Donc en gros, j'ai la seule souris survivor du bâtiment. Eh ben, voilà. La suite au prochain épisode. On va voir. Ouais, j'espère que vous pourrez attraper Murphy. on va finir avec moi parce que c'est... Voilà. Faut... moi, en fait, j'ai vu avant-hier ou un truc comme ça, avec mes colocataires, j'ai vu Hair, le film. Et alors, la comédie musicale, elle date de 67, donc c'est une comédie musicale qui parle de hippie, justement, qui est très anti-guerre du Vietnam de l'époque. Et le film, lui, date de 79. Et c'est vraiment trop bien, il y a de la danse, enfin c'est une comédie musicale quoi, mais c'est un sous forme de film, et il y a des très belles phases de danse, c'est une apologie mais sans la moindre honte de l'amour libre des drogues, c'est très marrant, c'est un peu bizarre aussi, le début est un peu étrange, et il y a une chanson ultra connue dedans qui est Let the Sunshine In, qui est la chanson de fin, qui est vachement bien. Il y a une des chansons qui est incroyable, qui se fait dans un truc de recrutement de l'armée, où les officiers commencent à parler des mecs comme quoi ils les trouvent beaux et tout. Et c'est trop drôle. C'est vraiment une chanson, c'est du génie. Et apparemment, je me suis un peu renseigné, apparemment, il y a pas mal de divergences entre la comédie musicale et le film. Notamment sur la fin du film que je ne vais pas révéler, mais c'est la fin du film, elle est vachement poignante, je trouve, et c'était vachement bien, et j'ai rigolé et c'était chouette et tout, il y a des gens à poil, ça c'est rigolo, on aime bien les gens à poil, voilà, c'était chouette. Hair, H-A-I-R, si vous avez l'occasion.
Ça me fait rire parce que dans ma... bon, j'ai fait un conservatoire de théâtre et il y a eu une année un groupe qui a fait des morceaux de la comédie musicale Air. Et c'est un peu ce que tu viens de décrire. C'était des gens à poil. Ah oui, ils fumaient des joints aussi et puis ils étaient à poil. Ouais. Et voilà. Ouais. Non, mais dans le film, genre le personnage principal, à un moment, il prend du LSD dans une sorte de messe psychédélique. Et genre, ils en font juste l'apologie. C'est genre, regardez, c'est cool. Et il se marie dans sa tête, quoi, avec une meuf. Il y a des trucs de danse complètement fous dedans. C'était vraiment très, très bien. La vie qu'on mérite tous. Ouais. Et ben voilà, c'était On n'a rien préparé, épisode 4. On vous retrouve normalement la semaine prochaine, donc à 16h, sur tous les bons endroits pour du flux RFK. Oui, abonne-toi au flux RFK. Abonne-toi et suis-nous. Nous sommes sur Spotify, nous sommes sur iTunes, qui s'appelle Apple Store maintenant, ou je ne sais plus. C'est via l'Apple Store d'iTunes qu'on peut, qu'on peut s'abonner. Voilà, c'est un peu compliqué. Il faut l'application iTunes, mais ça fonctionne. Ouais. Donc il y a Apple Store, Spotify, Deezer. Directement sur notre flux RSS. 11h, 12h, 13h. Oh! Et oui. Oui! Oui! Aïe, aïe, aïe. Manu sera au Kings of Comedy Club la saison prochaine. Pour moi, merci beaucoup! Avec Guillermo Guise en première partie. Voilà, c'était On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. À la prochaine! À la prochaine! Prenez soin de vous. À de vous.